Puis la petite top de Forever 21 que j'avais achetée. Donc, et voilà pour mon outfit of the day. Très simple, mais je l'aime beaucoup, là. Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve, on est quoi? On est jeudi? Ouais, jeudi le... Attendez, je vais m'en servir. Jeudi le 11 mai. 11 ou 12? 12, ouais. Parce que demain, on est vendredi 13, ouais. Fait que là, je viens de revenir de dehors. Dans le fond, j'ai dormi chez mon chum. Puis là, j'étais allée à la pharmacie parce que... Guys, j'aime pas ça, mes cheveux. Non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. J'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires que c'était beau pis tout, mais je m'habitue pas tout. J'ai toujours les cheveux attachés parce que c'est ça. Je me trouve pas belle. J'aime pas ça. Fait que je retourne blonde. J'ai été chercher mes affaires. Je trouve juste que le rose, c'est pas moi. J'ai toujours eu des couleurs très naturelles dans mes cheveux. Puis là, je sais pas. Je me sens pas bien, j'aime pas ça, puis je me suis dit que j'allais pas me forcer à aimer ça si j'aime pas ça, fait que j'ai juste comme retourné le bord, je m'en allais pour aller chez nous, puis j'ai retourné le bord, j'ai dit ok non, je m'en vais au Jean Coutu, je m'en vais acheter ma teinture blonde. Regarde, t'as essayé, ça fait comme 3-4 jours que j'ai ça, mais là j'aime pas ça. C'est ça, dans le fond, je vais retourner blonde, fait que là, c'est ça, il faisait tellement chaud dehors, là. J'étais arrivée, je me suis mis en jupe maxi, ok, wow, excusez. J'ai mis ce petit top là. Attendez, je vais aller. Je vais vous montrer ça dans ma chambre. Ça ressemble à ça. Fait que j'ai juste comme mis ma jupe maxi. Là, on est tellement bien là-dedans. Celle-là, là, je l'aime trop. Puis le petit top de Forever 21 que j'avais acheté. Donc. Et voilà pour mon outfit of the day. Très simple, mais je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment confo. Fait que ouais, donc c'est ça. Je vais retourner blonde d'ici ce soir. Ouais, fait que c'est ça. Donc, je vais vous reparler tantôt. Je vais aller manger parce que j'ai super faim. Fait que on se reparle tantôt. Ok, pour de vrai, là, c'est les meilleures journées. Genre, il fait tellement beau. Tu fais du ménage, t'écoutes de la musique. Oh my god, j'aime tellement ces moments-là pour de vrai. Là. Oh oui, oh my god, il fallait que je vous dise, ok, vous allez voir, je vais mettre un haul samedi, donc dans ce haul là, j'ai fait un gros fail, j'étais en train de montrer une chandelle, puis je l'ai échappée par terre, fait que j'ai pas hâte de vous montrer ça, là. Je vais le mettre en bloopers. J'étais bien déçue au début, j'ai comme quasiment pleuré, là, mais maintenant je trouve ça drôle, là, comme ça arrive, des accidents. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste vous le dire, là, parce que vous allez le voir dans le hall. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive, là, comme... J'étais vraiment déçue au début parce que c'était une chandelle que j'aimais vraiment beaucoup, elle sentait super bonne. Mais je l'ai juste jetée aux poubelles, puis après, tu sais, j'ai pensé, comme, j'aurais pu la récupérer, mais j'étais trop fâchée, je l'ai jetée vite aux poubelles, là, fait que... C'est la vie, c'est pas grave. Ouais, fait que je suis seule pour la soirée. Je sais pas ce que je vais faire. Profiter. Je pense que je vais mettre de l'auto-bronzant après avoir fait ma teinture. Parce que ouais, je vais prendre ma teinture à soir. Puis je pense que je vais mettre l'auto-bronzant aussi. Je sais pas, je vais voir. Parce que j'ai comme pas le temps de me faire bronzer. Fait que. Ouais. Puis là, c'est le show de Justin lundi. Je suis full excitée, vraiment. Là, j'ai comme trop hâte. Puis j'espère qu'il va faire beau cette journée-là parce que j'aimerais ça comme aller passer la journée à Montréal avant le show. Fait que en espérant qu'il fasse beau à date, il annonce la pluie. Mais ça peut toujours changer. Fait que, je garde espoir. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'étais supposée voir Catherine, Girly Addict, mais ça a comme pas marché finalement. Mais on va se voir mardi prochain, on va aller déjeuner ensemble. Ouais, on va se voir avant qu'elle parte en France, parce que pour ceux qui le savent pas, Catherine s'en va en France, à Paris. Il va avoir un meet-up et
tout. Fait que c'est vraiment fun pour elle. Je suis vraiment contente. Je l'admire beaucoup, Catherine. Vraiment, là. C'était vraiment une de mes YouTubers préférées. Je suis vraiment contente qu'on ait eu l'occasion de commencer à se parler pis tout. Pis que maintenant on soit amies. Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente pour elle. Pis vraiment fière de elle. Ouais. Bon, je viens de finir ma vaisselle. Non, c'est pas vrai. Il me reste des couteaux. Moi, là, écoutez, du lana, là. C'est la joie. Ok? Je fais tellement bien. Qui d'entre vous fait la vaisselle à la main puis qui a pas de la vaisselle à la maison? Dites-moi dans les commentaires. J'en avais un avant, mais il n'y avait pas d'endroit ici pour le brancher, fait qu'on l'a donné. C'est plate de même. Oui. Bon, je viens de finir ma vaisselle. Ah, oh, c'est pas vrai. Je dis que je finis ma vaisselle. Il me reste des assiettes. Bon. Let's go, Addy. Ouais, pis c'est ça. Pis le 26, j'ai le show de Selena. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée. Oh, les deux, là, Justin pis Selena, là, c'est la première fois que je vais les voir en show. Pis je suis tellement contente. C'est les deux de mes idoles. Pis j'ai vraiment hâte. Vraiment, là. Ça va être super malade. Pis je me demande vraiment quel chandail que je vais choisir, là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai regardé sur le site internet de Justin et de Selena pour leurs marchandises. Puis il y a tellement de trucs, là, j'ai le goût de tout avoir. Mais on sait que ça coûte cher là-bas, la marchandise, les chandails, là, toujours pas mal cher. Toujours au moins 35-40$, là, facile. C'est jamais en bas de ça. Fait que, ouais, je vais voir ce que je vais me prendre. J'ai vraiment hâte de vlogger, là. J'ai vraiment aimé vlogger le concert de Rihanna. Fait que j'ai hâte de faire ça avec Selena et Justin. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas mal hâte. Bon, je l'ai fini, ma vaisselle! Ah ouais, puis j'ai reçu ma commande Forever 21, ok? Puis je suis tellement stupide. Attendez. J'ai encore une fois, ça fait deux fois que je fais ça, ok? J'ai commandé deux fois le même chandail. Puis, là, Charlo, j'ai commandé une jupe. Puis elle est trop grande, fait que j'ai mis un post sur Facebook. Là, j'ai une de mes amies qui va venir les acheter demain. Là, je le vends comme à 20$ les deux. Là. Fait que, ouais, j'étais déçue, mais bon, ça arrive. Summertime sadness. La chanson parfaite. Hey, je file tellement bien en jupe, puis demain, je suis juste comme... Wouh! Ah oui, puis j'ai reçu aussi, j'avais commandé chez David Titi. Je vais vous montrer ça. Ben là, je viens de la laver, là. J'ai acheté la tasse à thé glacé pour... voyons! La tasse à thé glacé de David Titi. Fait que dans le fond, comment ça marche, c'est vraiment le fun, ok? Tu mets dans le fond ton thé. Ben, tu mets ton thé. Tu mets ton eau chaude jusqu'à la petite ligne. Tu laisses infuser le temps que tu veux. Après, tu remplis ça de glace. Puis, dans le fond, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens le rentrer comme ça. Fait qu'avec la pression, ça vient tout chercher le thé glacé. Puis, ça laisse le thé juste ici. C'est amazing, ok? Je l'ai essayé hier, puis je suis en amour déjà, vraiment. C'est une invention parfaite. Je suis vraiment en amour. Fait que, ouais. J'ai acheté le thé, c'est quoi? Melando exquis, comme ceci. Il est tellement bon, je capote, ok? Ça goûte la gomme à la gomme, la gomme au Melando. C'est juste écœurant. Je capote, puis je pense que je vais aller me chercher au moins... 200 grammes, là, facile, là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, fait que essayez-le, là, il est dans la collection d'été. Bon, je viens de finir tout mon ménage et tout, fait que là, je vais prendre une pause un peu. Je vais aller écouter Grey's Anatomy. Je vous l'avais-tu dit que j'avais commencé ça? Je sais pas. En tout cas, j'ai commencé Grey's Anatomy, puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est super bon pour de vrai, là. Je capote. Je suis rendue déjà à saison 2, là, fait que, ouais, j'aime vraiment ça. C'est ça pour l'instant, donc je vais aller écouter ça, puis après, là, il est quoi? Il est 3h30, ouais. Après, je vais sûrement aller faire ma teinture, puis me faire à souper en même temps, ouais. Fait que je m'étais acheté des blés d'Inde, je sais pas s'ils vont être bons. J'ai goût de manger ça, ou sinon j'ai une salade saison que je vais me faire avec...
Je sais pas. Je vais voir. En tout cas. Fait que c'est ça pour l'instant. Donc, je vous reparle tantôt. Bon, fait que là, je suis en train de faire mes blés d'Inde. Donc, moi, ce que je fais, mon père, il m'a montré ça quand j'étais jeune. Là, j'en avais juste deux. Je mets du lait. Ça a l'air dégueu, là, mais ça rend les blés d'Inde vraiment très sucrés. Fait que moi, c'est ça que j'aime. Je me suis fait une trempette pour mes Tostitos. Oh my god, ok, c'est trop bon. Dans le fond, c'est très simple, c'est vraiment simple à faire. Attendez. Dans le fond, c'est vraiment simple à faire. Fait que, regardez. Ça a l'air un peu dégueu vu de même, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est que tu mets de la crème sûre, après de la salsa, puis après tu mets du fromage. Puis, dans le fond, tu manges ça avec les Tostitos, puis... C'est vraiment bon. Vraiment, là. Fait que je mange ça avec mes blés d'Inde. Puis, j'ai une petite salade de patates. Là, je mange plein d'affaires comme estival. Là. Je me sens full en été. Et là, ma salade. Fait que salade de patates du IGA. C'est vraiment bonne. Fait que je mange ça pour souper. Guys, ces chips-là sont trop bonnes. C'est des chips patates douces et carottes. Oh my god, je capote. J'ai peigné ça au IGA. J'aime vraiment les patates douces, puis c'est trop bon, ok? Je suis sûre que je vais être obsesse. Ça s'appelle. C'est la marque Terra. C'est faible en sodium. Fait que, tu sais, c'est santé, puis c'est sans gluten. Vraiment bon. Puis c'est mieux de manger ça que passer un travers d'un sac de chips, genre Lace. Ouais. Fait que, vraiment bon. Essayez-le. Les gars, j'étais en train de préparer les vidéos pour les prochaines semaines. Puis j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que... Attendez, je vais enlever le son, là. J'oublie toujours d'enlever le son de la télé. Ouais, c'est ça. J'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aviez envie de voir dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Le room tour est vraiment demandé. Je vais le faire. Il me reste juste comme 2-3 trucs à finir dans ma chambre. Puis je vais le faire. Fait que je pense que je vais mettre... là-dessus en fin de semaine, finir les 2-3 trucs que j'ai pas fini. Puis je vais filmer ça la semaine prochaine pour sûrement le mettre fin de semaine prochaine ou début juin, en tout cas. On va voir, mais ça va s'en venir. Faut que je fasse absolument ma routine du matin. Ça fait vraiment longtemps que je le dis que je vais la faire. Puis que dans le fond, ça donne juste pas. Fait qu'il faut vraiment que je la fasse. Mais là, je vais attendre de refaire mes cheveux blonds avant de la faire. Fait que disons la semaine prochaine. Puis il y en a qui voulaient voir aussi un vidéo What's on my iPhone. Parfait, il n'y a aucun problème. C'est sûr que j'utilise pas beaucoup de trucs sur mon cell, mais je vais vous montrer ça. Ça va me faire plaisir de faire cette vidéo-là. Donc c'est ça pour l'instant. Dans le fond, je pourrais peut-être refaire un autre haul, mais là je le mettrai vraiment comme début juin parce que j'ai encore commandé d'autres trucs. Vous allez vous dire, my god, elle magasine trop, mais c'est vraiment des trucs que ça faisait longtemps que je voulais puis que j'attendais puis tout là. Fait que inquiétez-vous pas, tout va bien, mon budget va bien, j'essaie bien m'occuper de mon argent. Fait que c'est ça. Donc ouais, peut-être un haul parce que là j'attends encore d'autres commandes. J'ai commandé une montre, j'ai commandé le lip kit by Kylie, le Dolce K. J'ai vraiment vraiment hâte de le recevoir. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé des bijoux sur une boutique que j'ai vu sur Instagram. C'est une petite boutique Etsy québécoise. Ça s'appelle Clara Boutique. Ils sont vraiment beaux, leurs bijoux. Fait que j'ai commandé 2 bijoux là-bas. Puis quoi d'autre? J'ai-tu passé d'autres commandes? Je sais plus. En tout cas, ouais, j'ai vraiment comme dépensé cette semaine. Là, fait que on va se calmer après. Fait que c'est ça. Je vais faire sûrement un haul. Donc ouais. Fait que ça va être ça les prochaines vidéos qui vont s'en venir sur ma chaîne. Puis j'avais pensé à un vidéo spécial été. Donc comment se préparer pour l'été. Puis j'avais le goût de parler de comment bien raser ses jambes. J'ai jamais vu un vidéo sur
YouTube qui montrait comment bien raser ses jambes. Parce que moi, quand j'étais petite, je rasais vraiment, vraiment, quand j'étais jeune, je rasais vraiment, vraiment mal mes jambes. Dans le fond, je mettais pas de savon, rien, j'y allais direct. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ces erreurs-là. Puis moi, à force du temps, j'ai vraiment développé des étapes pour faire mes jambes. C'est sûr que ça rend un petit peu plus la tâche un petit peu plus longue, mais ça donne vraiment des meilleurs résultats pour les jambes. Les jambes sont vraiment plus douces, il y a moins de petits boutons puis tout. Fait que je pense que je vais vous faire une vidéo comme ça, comment bien préparer ses jambes pour l'été. Ouais, fait que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si ça serait quelque chose qui vous intéresserait. Là, je pense que je vais vraiment aller me reposer et écouter Grey's Anatomy parce que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Donc, ouais. Fait qu'on se reparle tantôt. Bon, on dit bye aux cheveux roses. Je m'en vais me reteindre blonde. Donc, ce fut bref, ces cheveux roses, mais... I was born to be blonde. Sorry, not sorry. Bon, fait que je suis en train de faire ma teinture. Ça a l'air jaune, mais ça... Je le laisse 45 minutes dans mes cheveux. Dans le fond, c'est pas un bleach que je mets. C'est vraiment une coloration... c'est un éclaircissant, dans le fond. Donc, ça m'agane vraiment pas les cheveux. Donc, c'est ça. Je suis en train de faire ça. Puis après, ben, je vais aller prendre ma douche. Hein? Puis dans le fond, demain, je vais faire vraiment la coloration pour enlever tout le petit jaune et tout. Donc, c'est ça pour l'instant. Donc, je vais aller écouter un peu la télé et on se reparle tantôt. Bon, fait que là, je suis en train d'écouter un souper presque parfait. Puis, oh my god, il y a un monsieur là, il est juste trop drôle. Il a pas d'allure cette semaine, il arrête pas de chanter des chansons. En tout cas, c'est bien drôle. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis proche du 1000 abonnés, je capote. Genre, merci tellement, gars, j'en reviens juste pas. Merci vraiment fois 1000, justement, 1000 abonnés. Je vous aime trop. Merci. J'en reviens juste pas, là. Pour de vrai, là, je capote, là. Je suis proche, là. Je suis à 992. Donc, on approche. Yeah! Donc, sans vous, ça serait juste pas possible. Donc, je vous remercie infiniment pour ça. Donc, là, je vais bientôt aller rincer ça. Puis, je vais éditer le vlog pour que qu'il soit en ligne demain, vendredi. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Donc, on se parle dans un prochain vlog. Bye, tout le monde!